Nous sommes repartis pour une vidéo qui m'a pris encore une fois trop de temps à éditer, mais elle est enfin là. Donc Robert de Nioh va vous présenter le Ranger 2.0 après le premier DLC, le disciple du Tengu. C'est donc une version mise à jour de ma toute première version et testée en rêve du démon, et surtout avec le nouveau système de parchemin, que ce soit en solo ou en expédition. Bien entendu, je rajouterai le niveau des parchemins montrés à l'écran, et pour ce qui est de la difficulté rêve du démon, elle est bien sûr faite en synchronisation. Donc en quoi consiste le build? C'est un ranger qui utilise les trois armes à distance, donc arc, fusil et canon. Nous rajoutons ça avec un peu de ninjutsu et de magie omnio, et vous avez un build qui est très solide et qui peut faire tout le contenu disponible, que ça soit encore une fois solo ou expédition. C'est exactement la même chose pour tout type de contenu, que ça soit simplement un combat de boss ou alors une mission qui peut durer même une heure. En tout cas, un petit avant-goût avant le détail du build. Donc bienvenue pour notre Ranger 2.0. Je dois avouer que comparé à notre Tank 2.0, le Ranger est vraiment une simple mise à jour. Il y a seulement une seule pièce d'équipement qui change, et nous allons même réutiliser l'ancien équipement que nous allons simplement mettre à jour, donc le fusionner avec de l'équipement de niveau 170, pareil pour les armes, et pouvoir passer au niveau supérieur. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que nous allons utiliser de l'équipement qui date d'avant la mise à jour 1.13, donc du coup qui n'a pas de grâce, et cela peut être assez intéressant pour ajouter encore plus d'effets. Alors parlons directement des avantages et des inconvénients du build. Alors le gros avantage, c'est que vous pouvez complètement tout faire et vous amuser. Ça paraît bête, mais le build est plutôt fun à jouer. Pour ce qui est des armes, elles ont toutes une petite différence de gameplay. Par exemple, l'arc va être combiné avec les flèches paralysantes, du coup vous allez pouvoir paralyser en boucle les boss. Le fusil à mèche va être utile pour pouvoir avoir une bonne puissance de feu tout en gardant une bonne mobilité. Et le canon va être là pour de gros dégâts et de gros dégâts de ki, quand vous pouvez tout simplement rester sur place tout en pilonnant votre ennemi. A noter, cela peut être aussi un très très bon stunlock. Pour ce qui est des inconvénients du build, au final il n'y en a pas énormément. Le seul problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que des trois armes à distance, il n'y en a qu'une seule qui peut être énormément augmentée en dégâts, et c'est bien sûr l'arc avec les flèches sacrées. Il y a beaucoup d'équipements et de sets, et maintenant même des grâces qui sont très très intéressantes pour l'arc,
et les flèches sacrées peuvent aussi être augmentées avec la stat magie, etc, etc. Puis pour couronner le tout avec le ninjutsu œil de lynx, cela va complètement décupler vos dégâts d'arc. Donc vous pouvez facilement tirer des flèches à 30 voire 50k de dégâts et même beaucoup plus parfois. Par contre, ce sera totalement limité à l'arc et aux flèches sacrées et rien d'autre. Encore une petite note, dans la description je rajouterai des builds archers que j'ai trouvé sur YouTube et que je trouve assez sympa si vous êtes intéressé pour simplement être un archer et donc utiliser simplement l'arc. Les dégâts sont très élevés mais du coup vous ne pourrez pas vraiment changer d'arme à distance. Pour nous notre build va se concentrer sur les balles infinies ainsi que le bonus dans le 1000 qui va augmenter les dégâts dans les points faibles de l'ennemi. Ceci va vous permettre de faire de très très gros dégâts avec fusil et canon. Comme par exemple ce one shot en chaîne de boss humain. A noter que vous pouvez aussi les tuer directement quand ils apparaissent, mais ça demande un très bon placement, donc utilisez la paralysie pour vous aider. Passons maintenant à notre équipement, je vais aller assez vite vu que c'est plus ou moins le même équipement, arme, esprit et noyau. Donc pour les armes à distance, nous ressortons le fusil corbeau ailé du set Yataga Razu, le canon Tatsuke et pour finir l'arc de maître archer. Pour les armes de mêlée, nous repartons encore sur la même chose, le katana Hacho Nenbutsu, encore une fois pour le set Yataga Razu, qui sera utilisé en combinaison avec l'arc et les tonfa de Sarutobi Sasuke pour tout dégât de feu, donc fusil et canon. Encore une fois, j'ai choisi les tonfa car ce sont de très bonnes armes pour un équipement léger, ils sont rapides et tapent fort, et ceux de Sarutobi ont l'effet de faire une explosion, donc on reste encore une fois très très bien dans le thème de Call of Duty, vraiment très cool. Pour l'équipement, nous avons le set complet de Yataga Razu -1. Nous changeons aussi le torse pour un nouvel équipement, la cuirasse de manche bénie, qui va vous donner le bonus de droit et fidèle, donc un bonus de dégâts dans le 1000 de 25%. Pour ce qui est des accessoires, encore une fois c'est la même chose, le Yazakani pour le -1 en 7 et le chapelet pour la furtivité. Pour ce qui est des effets, encore une fois, on tourne sur le même principe, donc munitions illimitées en priorité, accumulation de paralysie et aussi de feu pour ce qui est des tonfa. Et si vous avez encore un peu de place, rajoutez aussi un peu de ninjutsu et de omnio illimité. Après, c'est comme vous voulez. Maintenant pour les esprits, donc encore une fois, Yataga Razu qui va être associé au fusil et canon, car il va rajouter de gros dégâts de feu à chaque balle tirée, ainsi qu'un gros régène d'anima sur chaque tir. Pour les noyaux associés à l'esprit, je dirais que deux d'entre eux peuvent être changés, mais pas le troisième, tout simplement car il reste encore un des meilleurs noyaux du jeu, que ce soit en dégâts et façon à être utilisé, le noyau d'âme de Kasha, bien entendu. Vous pouvez lancer cette Beyblade et la laisser détruire vos ennemis tout en continuant à tirer, donc vraiment pratique. L'animation de lancer est très rapide et les dégâts sont très élevés, que ce soit en dégâts physiques ou de feu. Pour les deux autres, nous allons simplement utiliser des noyaux pour augmenter les dégâts de feu. A noter que la furtivité du noyau Kuroka est assez intéressante à avoir. Cela permet de pouvoir tirer sans arrêt, sans vraiment être ciblé par quiconque quand vous êtes en coop, rendant les tirs de canon par exemple extrêmement faciles vu que personne ne viendra vous embêter. Le deuxième esprit est celui qui sera lié avec votre arc, qui est toujours Ito Kuri, qui va vous aider pour paralyser les ennemis. Pour les noyaux, nous ressortons encore les mêmes, donc Karakaza qui va encore augmenter l'accumulation de la paralysie, l'éclair volant qui va ralentir les mouvements des ennemis en leur tirant dessus. A noter que je vais sûrement rajouter ce noyau aussi sur notre premier esprit, le Yataga Razu, car ralentir tout en tirant avec un canon peut vraiment être pas mal. Puis pour finir, Magatazu qui est un enchaînement de coups en fait qui permet de facilement paralyser si besoin. Je vais être honnête, je n'utilise quasiment jamais de noyau en combat si j'utilise l'arc, donc bon c'est vraiment pour les statistiques et rien d'autre. Mais dans tous les cas, c'est là si on en a besoin. Pour les objets utilisés, il n'en faut pas beaucoup, donc j'ai encore opté pour seulement deux pages. La première étant élixir, talisman de résistance, protection et paresseux. Le talisman du paresseux étant utilisé vraiment si vous en avez besoin, comme par exemple un boss qui vous prendrait pour cible alors que vous n'êtes pas vraiment prêt à tirer ou à combattre. La deuxième page est portée sur la paralysie et les dégâts de l'arc, donc poudre de méduse, flèche paralysante, parchemin œil de lynx et mine paralysante. Je ne pense pas vraiment avoir besoin d'expliquer tout ça, mais voilà, la première page est plutôt la page par défaut et la deuxième page est vraiment centrée sur la paralysie et l'arc.
Pour votre clan, encore une fois, c'est vraiment comme vous voulez. Il existe des clans pour les 3 armes, donc c'est vous qui voyez. Il y en a aussi qui peuvent donner des dégâts bonus dans le 1000, ce qui va vous aider pour les 3 armes cette fois-ci. Personnellement, je n'ai même pas encore changé de clan, c'est surtout un peu par fainéantise. Je suis toujours sur celui que j'utilise avec le tank, donc voilà, c'est comme vous voulez. Pour finir, voici les stats. Je vais avouer que, étant un build léger, on arrive quand même à beaucoup de points de vie, qui est plutôt bien et permet de ne pas se faire one shot à tout va. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Alors, quoi rajouter à ce build? Et bah du coup, vous pouvez rajouter pas mal de choses. Par exemple, si vous voulez un peu plus de dégâts sur l'arc, ou alors le fusil ou quoi que ce soit, vous pouvez commencer à rajouter et changer quelques petites parties. Exemple, si vous savez que vous allez combattre un seul boss et que vous savez que vous allez utiliser seulement l'arc, vous pouvez utiliser 2 arcs, celui du maître archer pour les 20% de dégâts en plus, mais utiliser un autre arc avec plus de dégâts. Vous pouvez aussi changer des parties d'armure pour plus de dégâts uniquement basé sur l'arc, etc, etc. Du coup, je trouve encore ça assez intéressant d'avoir un build qui peut être changé sur simplement vos besoins. Mais dans tous les cas, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager vos idées de rajout pour le build et j'en ferai sûrement une version 2.1 si j'arrive à quelque chose de nouveau. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez aussi à regarder la description de la vidéo où j'aurai mis ma playlist de Nioh et ainsi que des builds intéressants que j'aurai trouvé sur YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Merci beaucoup et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.